Oui, depuis 17h jusqu'à 21h environ, tout s'est très bien passé. Aucun incident à signaler, mais là, vous le voyez sur ces images, depuis environ 15 minutes maintenant au pied du tribunal de grande instance de Paris, eh bien, il y a ces personnes. Le feu, c'est parce qu'il y a eu un drapeau américain qui a été brûlé, déposé sur ce feu tricolore au pied du périphérique. La circulation automobile est totalement interrompue. Et ici, eh bien, de nombreuses personnes récupèrent de quoi faire des barricades. Il y a des barrières, des poubelles. Elles dressent des barricades à la sortie du périphérique de Paris et au pied du tribunal de grande instance. Et bien cela a fait reculer totalement les forces de l'ordre qui étaient jusqu'ici assez présentes mais discrètement. Et vous le voyez, de nombreuses personnes lancent des pierres à l'encontre sur le tribunal. Et puis il y a, vous le voyez, voilà, en direct, ces mouvements de foule assez impressionnants, puisque les forces de l'ordre lancent à de nombreuses reprises depuis maintenant environ 15-20 minutes du gaz lacrymogène en direction de cette foule qui s'était rassemblée ici. Je rappelle ce chiffre, 15 000 manifestants selon la police. Tout s'était très bien passé dans le calme, avec des prises de parole de la famille, des proches et d'autres personnes, notamment des personnalités du spectacle, de la musique, pour ce rassemblement ici pour Adama Traoré à Paris. Et depuis tout à l'heure, depuis 20 minutes, donc je le disais, il y a ces incidents qui éclatent ici avec cette foule compacte. Vous le découvrez tout au fond de l'image, une foule très compacte du côté de la place de Clichy. Mais eh bien, les forces de l'ordre maintenant reculent, sont positionnées à l'intérieur du tribunal et lancent à de nombreuses reprises du gaz lacrymogène.